Bonsoir. Le rituel de présentation des chefs de l'État a pris fin vendredi. Trois jours durant, les présidents des institutions de la République, les administrations, les corps constitués, les représentants des chancelleries et organisations internationales se sont succédés au palais de la présidence de la République pour échanger les souhaits de nouvel an avec le chef de l'État. Arnold Kilirou nous rappelle ces instants de courtoisie, de déférence et d'amitié. Pour les vœux de nouvel an 2015 adressés au chef de l'État, ce sont les institutions de la République et l'administration générale et parapublique qui ont ouvert le bal. Au palais de la présidence de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, la Cour des comptes, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont d'abord été reçus par le chef de l'État avant le passage des délégations de chaque institution pour présenter leurs vœux au président de la République à la place des fêtes. Dans un communiqué qui a sanctionné les différents entretiens, communiqué lu par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trinois, les institutions de la République ont formulé leurs vœux de santé et de prospérité au président Faure. En l'après-midi, place ensuite aux délégations de l'administration générale et celles parapubliques, pour le même rituel de souhait de santé, de longévité et de bonheur au président de la République à travers les poignées de main. La présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État s'est poursuivie jeudi au palais de la présidence avec les confessions religieuses, les centrales syndicales, les ordres professionnels, les organisations de la société civile et la chefferie traditionnelle dans la matinée. L'après-midi a été consacré aux délégations des partis politiques et du secteur privé pour les mêmes vœux de santé, de longévité et de bonheur au président Faure Gnassingbé. Vendredi 19 décembre, dernier jour de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. La journée était consacrée aux corps diplomatiques et consulaires, les organisations internationales et non gouvernementales. Dans un discours, le représentant du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Nigeria, a, au nom des diplomates, salué les efforts enregistrés par le Togo sur la voie de son émergence et a réitéré l'engagement des diplomates à accompagner le Togo. En réponse au corps diplomatique et consulaire, le chef de l'État leur a formulé ses vœux de santé et de bonheur. Il a émis le vœu que le corps diplomatique et consulaire apporte sa contribution pour relever les défis qui s'imposent dans tous les domaines de la vie de la nation. La pertinence des sujets que le représentant du doyen du corps diplomatique vient d'aborder, en votre nom à tous, est la preuve renouvelée que la coopération dynamique et féconde que nous construisons se fonde sur des préoccupations partagées. Au nom de mes compatriotes, je tiens à vous remercier pour vos vœux chaleureux et surtout pour cet intérêt constant que vous portez au peuple togolais et à ses dirigeants. Je vous présente à mon tour avec le même élan du cœur à vous-même, à vos familles et à vos pays respectifs, ainsi qu'à leurs dirigeants, mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité pour l'année nouvelle. Mon vœu le plus ardent pour les pays amis et les organisations partenaires que vous représentez, avec dévouement et que la nouvelle année soit pour tous une source d'espérance. Monsieur le représentant du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, le Togo a choisi depuis toujours de bâtir son action sur le socle de l'engagement pérenne en faveur d'une solidarité active avec l'ensemble de ses partenaires. La diplomatie togolaise entend en effet, avec votre concours, se déployer au cours de l'année nouvelle avec la même énergie constructive au sein des espaces de solidarité que nous avons créés et qui nous permettent depuis des années d'agir ensemble dans la symbiose et la complémentarité. Permettez-moi dans cette perspective de dédier mes premiers mots à la lutte commune que nous avons engagée en vue de freiner et d'éradiquer l'épidémie à virus Ebola. Cette épidémie restera sans aucun doute l'un des défis collectifs majeurs de l'année qui s'achève et de celle qui arrive. Après le discours du chef de l'État,
les délégations du corps diplomatique et consulaire, celles des organisations internationales et non gouvernementales ont tour à tour salué le chef de l'État pour lui souhaiter une bonne et heureuse année 2015. La BESIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, présente au Togo depuis 2006, va bientôt disposer d'un nouveau siège social. Le bâtiment sera érigé dans le quartier Nikonakwe. Et vendredi, le ministre de l'économie et des finances a dit au Tete Ayasso a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice. Les travaux vont coûter 6 milliards de francs CFA. Edem Soussoupa. Dans bientôt 27 mois, c'est cette architecture qui sera réalisée ici à Nikonakwe. Le siège social de la filiale de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Togo sera construit entre l'UTB circulaire et l'UAT. Le complexe immobilier de 9 étages sera bâti sur une superficie de 3761,31 m². Depuis juillet 2006, cette banque est présente au Togo et finance les projets porteurs de croissance, surtout des PME-PMI. BESIC Togo a réalisé d'importants progrès en termes de recrutement de personnel qualifié, d'investissement dans la création d'agences à l'armée et dans les régions et le financement de l'économie de l'Ouest. C'est le réseau bancaire qui s'agrandit au Togo. Avec un capital de 8 milliards 107 millions de francs CFA, cette banque est la bienvenue au Togo pour aider à la relance du secteur économique. Et vous savez que notre pays est membre de la CENSAD. CENSAD regroupant 14 pays de la sous-région. Et dans le cadre des activités de cette communauté, les chefs d'État ont décidé de la création de la BESIC qui est représentée dans chacun des États. Donc, comme vous comprenez l'importance d'une banque dans l'économie nationale, nous n'avons ménagé aucun effort pour les encourager à ériger leur siège. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous ne pouvons que nous en réjouir. Les travaux de construction du nouveau siège sont confiés à 3 entreprises. C'est un immeuble de grande hauteur d'environ 45,60 m avec un sous-sol. La construction de ce siège est le témoignage de la qualité du climat des affaires et du potentiel économique dont regorge le Togo. Le ministre de l'économie et des finances est rendu ensuite à l'Agora Senghor où prenait fin à la formation des nouveaux agents recrutés par l'Office togolais des recettes 15 jours durant. Ils se sont familiarisés avec les réalités de l'Office. Le ministre est allé leur apporter les encouragements du gouvernement avant leur prise de fonction. Augustin Kossi, Rachel Aoukou. En fin de formation de 2 semaines, les 523 nouvelles recrues de l'OTR, Office Togolais des Recettes, ont reçu la visite du ministre de l'Économie et des Finances, Hadji Othète Ayassor. Le ministre a apporté à ces nouveaux agents un message d'encouragement pour embrasser avec beaucoup d'abnégation et de sérieux leur carrière, ce qui vient réconforter les heureux récipiendaires. Ces 2 semaines de formation nous ont appris à traiter le contribuable autrement. Parce que c'est lorsque le contribuable se sent en confiance, c'est lorsqu'il vient vers vous, c'est là qu'on saura comment faire pour rentabiliser et comment faire pour maximiser les recettes du pays. J'ai appris d'abord ce que c'est que l'Office togolais des recettes. J'ai appris les missions, les valeurs et le rôle que nous devons effectuer au sein de l'OTR. Selon le ministre, le gouvernement attend beaucoup du personnel de l'OTR afin d'aboutir aux objectifs, la mobilisation à grande échelle des recettes. Il y a la nécessité de mobiliser beaucoup plus de ressources pour faire face aux dépenses publiques qui ne cessent de s'accroître au jour le jour. Il faut financer l'éducation, il faut financer la santé, il faut améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, des travailleurs de ce pays. Et pour ce faire, il nous faut beaucoup de ressources. Cette nouvelle vague des agents formés porte l'effectif de l'institution à environ 1600 agents, toutes catégories confondues. Ils sont désormais aguerris pour être déployés dans les différents départements de l'Office togolais des recettes, OTR. Les fêtes s'annoncent sous de bons auspices pour les paysans de Sotobois. L'ANSAD vient de leur acheter leur stock de céréales, 20 tonnes de maïs pour plus de 3 millions de francs CFA. La marque Boudjouna, reportage.
ouf de soulagement pour les membres du groupement Tefuma de Soutbois. L'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, leur a acheté le stock supplémentaire de maïs dont ils disposaient dans leur magasin. On avait ce stock-là dans le magasin, c'est un fonds de roulement. Nous débloquons des fonds, nous achetons des engrais entrants et puis nous distribuons aux producteurs et en remboursement nous prenons ça en nature. Et nous constituons un magasin commun. Ce magasin maintenant qui est gonflé maintenant plus de 220 tonnes, aujourd'hui nous disons merci et une partie de 20 tonnes sont aujourd'hui prises par l'ANSAT. 20 tonnes, c'est la quantité de maïs acheté par l'ANSAT. Ce tonnage équivaut à 3 200 000 francs CFA. Nous avons profité pour sensibiliser les paysans. Les 20 tonnes ont été prélevées. Les achats vont continuer dans les jours à venir pour éventuellement prendre toute la quantité. Je voudrais d'abord encourager les paysans, les féliciter pour les efforts qu'ils ont faits pour pouvoir avoir les marchés au niveau de la sous-région. Une chose est d'avoir les marchés, une autre c'est de les fidéliser. Et c'est l'exercice auquel le ministère appelle les paysans. Cette opération entre dans le cadre des achats supplémentaires initiés par le gouvernement afin de soulager les coopératives agricoles qui ont encore des stocks en leur possession.